Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé pour le son, je viens d'y remédier, je crois, mais bon, je l'espère. Je disais que j'espère que tout le monde déjà va bien moralement. Le goût à la, personnellement, le goût à la Coupe du Monde, là, je choisis les matchs. Je regardais tous les matchs, taqriban. Où j'avais un aperçu, tu vois, dans lorsque tu travailles, dans mon boulot, on peut pas regarder tout un match. Mais tu viens, tu regardes 5 minutes, tu repars, bah, tu as du travail à faire. Voilà. On va directement aborder le sujet fleuve vif. Enfin, j'ai préféré attendre le premier tour. Donc ça y est, maintenant les gens, des équipes sont qualifiées en huitième. Des équipes qui prennent leur bagage ou rentrent chez eux. Il y en a tellement. On en fait partie. Avec la France, l'Italie, la Suisse, le Danemark, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud. L'Honduras, la Nouvelle-Zélande, exactement la moitié de ceux qui se sont qualifiés. Donc 16 pays rentrent. Faites les 16 pays, c'est vrai. Faites les 16 pays. Même, y a des pays, même si ils sont disqualifiés, mais ils ont, Kimé Goulak, fait des résultats. Kimé Goulak, plus qu'honorable, hein, je me goulouche positif. Je dirais la Nouvelle-Zélande, le pays t'as le rugby qui quand même, hein, c'est bien débattu ou plus de points, il a marqué des buts, voilà, c'est. Et je dirais la. L'Australie. Ben oui. L'Australie, ils ont fait le match de leur vie face à la Serbie. Un Tim Cahill qui est expulsé au premier match, qui rentre, qui marque un excellent but de la tête au troisième match. Ils allaient se qualifier, hein, ils allaient se qualifier l'Australie. Ils ont tout fait. Pour se qualifier, ils n'ont pas pu. C'est comme la Suisse aujourd'hui, qui a tout fait, mais la râle. Je dirais pas la Côte d'Ivoire, mais je dirais le Nigeria, Tani, mais pas l'Algérie. On a rien fait pour se qualifier. On n'a rien fait pour se qualifier parce que c'était simple. Toi, tu fallait que tu joues le troisième match et on a minimum à tout casser 1-0. Même avec le 1-0, on était disqualifié, hein, après la journée. Donc il fallait que tu en marques deux. Donc il fallait que tu rentres la meilleure équipe tac possible contre les États-Unis. La meilleure équipe possible. C'était l'équipe à peu près qui a joué contre l'Angleterre. Il fallait juste opérer des changements qui, selon moi, Harjin si je voyais jamais Ziani ne pas rentrer. Et je l'avais dit dans ma vidéo d'avant-match, je pense que Ziani on chouffe comment ça comment ça marche. Parce qu'il retardait le temps, ou les passes. C'est pas un distributeur, c'est pas un meneur de jeu. C'était clair et net. Donc toi, tu changes l'équipe ou dire presque l'équipe il est contre la Slovénie. Voilà. C'est vrai que sur le papier, il est indiqué qu'il y a deux attaquants.
Ah, il joue l'attaque. Mais vu que le premier, c'est pas son rôle, qui est Matmor. Le second, il est mis en manque de réussite. Non seulement il est en manque de réussite, pas ils ont même pas pu décrocher une place à l'Europa League en Grèce. Les Andom qui m'ont que deux équipes à la Grèce depuis la nuit des temps. À part Trapanionios ou l'AEK Athènes ou la masse, généralement l'Olympiakos Panathinaikos. Mafia, c'est les seuls clubs qui représentent généralement la Grèce au niveau international. Le milieu c'était presque le même, mais il paraissait vite par rapport au match de l'Angleterre. La défense, le manque de compétition les dernières minutes. Donc il y avait l'envie, le corps, mais le corps m'a suivi. Je parle de André Yahia, de Belhaj. Moi, il m'a déçu dans cette Coupe du Monde. Il est arrivé blessé et un petit peu fatigué. Ou Rebnet, ou les tactiques, Rebnet, les tactiques, en mettant Ziyech de son côté. Donc voilà. Et il n'a pas osé. Peut-être qu'il n'avait pas le Manicharf. On peut pas statuer le cas. Donc, qui m'a goûté l'exemple Hadek, goûté non, j'étais avec plein de copains. Voilà. C'était un groupe, on était une trentaine, balak, une trentaine. On s'est enfermé dans une pizzeria et voilà, un plasma, écran géant, etc. de faire le match. Moi, je suis venu le dernier gars, 30 à 1 minute de la fin, du début, Trollt. Je suis resté en derrière, gars, télé, où je chauffe le match, chauffe le match. À la fin du match, bon, à la fin du match, bon, c'est clair qu'on était déçus. Moi, j'ai été moins déçu que les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'après la première mi-temps, Araf Tbilli, Ougaou kan marqué, on marquait Ouad. Ou on peut encaisser. Et il y avait chose, s'il fallait faire un pourcentage. Pourcentage, c'était marqué ou Naktar, mais le pourcentage, c'était marqué. Donc, Araf Tbilli, je dois me préparer aussi les finales. Malgré Belk Nerpho, lundi, on match nul, mais on passe pas. Et voilà. Bah, on a discuté avec un copain. Galli Ratina Habshara, etc. etc. Tout chauffe, frère. Ma t'adalish qui m'a hadar un an. Hadalli en tant que. Galli le cœur m'injia. Akhouenta ma jazairi ma américani. Qu'un spectateur il chauffe le match. Il goul le kassidi. L'équipe hadik li raye menna. La psa l'khdar ou la. Elle a échappé d'une raclée, d'une débâcle. Ou comme est le gardien de but, Reiss Mboulhi, m'a dit que l'équipe, voilà. Ah, Gali, oui, c'est vrai, finalement, la seule occasion franche qu'on a eue, c'était les poteaux ou la ta Saifi. Poteau ta Jbor. Alors, un attaquant réaliste ou un joueur réaliste. Il y a énormément de joueurs qui marquent des buts. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sens du but. Ils peuvent ne pas être attaquants, ça être face à face, c'est le Alors, regarde, donc, ouf. Face au but, 7 mètres, tôle ou 3 mètres, ord. 3 mètres. Donc, pour moi, c'est pas du tout ni un attaquant de pointe, ni un attaquant qui a du réalisme. Mais voilà, c'est simple comme bonjour. Et j'ai été pas surpris de voir Rzal rentrer et tout. Hein. Moi, je le savais qu'il allait faire ça. Enfin, je passerai Inch'Allah à ma deuxième vidéo et à tout de suite. Et je m'excuse encore pour le son.